Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici le grand, le seul, l'unique Raiger, le chef du monde mystique, l'imbattable stratège, l'or des guerres, impossible de l'arrêter, il fait des plans à l'infini et tout. Bon, allez, arrêtons le God Trip. On va jouer à Street Fighter V aujourd'hui. On va faire vite fait, je sais pas, Masuryu ou Madarka. Je vais voir le flow qui va se créer. Se créer justement dans ce mood. Donc là, on est en train de, comment dire, de se connecter à Steam pour pouvoir se connecter à Street Fighter. Voilà, c'est parfait, c'est ma sauvegarde. Donc la personne que vous voyez en bas à gauche, vous avez les liens vers les réseaux sociaux, notamment vers les Twitch et vers les Snapchat et compagnie. Donc je vous invite à venir faire un tour, je répondrai à tous les messages. Là, j'ai des abonnés qui commencent à me répondre. Pour ceux qui ont vu la short où je critique un peu la clinique où je suis, bah, sachez qu'aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Je suis presque désolé de m'être énervé. En fait, il s'est passé que j'ai découvert quelque chose. Alors, vous aurez bientôt une vidéo en compagnie de Nina, quand elle se sentira motivée de la faire, dans laquelle on va vous faire tout simplement une séance de mysticité. On va réveiller les esprits, genre à travers les pendules, vous savez, les trucs qui mettent comme ça, les pendules et les cartes de tarot. On va faire le mode survie parce que on va faire le mode arcade. On va faire le mode arcade. Je suis chaud de faire le mode arcade. On va descendre en difficulté normale. On s'en est bien sorti la dernière fois avec Ed. On a fait une belle performance. On a réussi le mode arcade et on a réussi le mode survie dans la même vidéo. Ça a pris 1 heure. Mais là, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous mentir. Il n'y a pas trop de personnages qui m'intéressent. On va jouer Jury classique en mode de True Boss. Holiday, uniforme scolaire. Allez, uniforme scolaire. Pour vous soutenir dans vos études, on commence par tabasser mes nattes. Celle qui est apparue quand quand je jouais à Street Fighter V et que j'ai fait ma psychose. J'ai arrêté de jouer à Street Fighter V parce que c'est un peu compliqué de jouer à Street Fighter V quand on est en judiciaire au bus 6. Finalement, moi de mon côté, il se passe que des bonnes choses. Bon, des fois, les inputs, c'est pas celle que je veux faire. Donc, on est là pour se détendre le cerveau. Je vous mens pas qu'on n'est pas encore en train de tryhard. Je veux dire, j'ai plus la tête à tryhard, en fait. J'ai plus les neurones prêts à tryhard aussi. Je veux dire, les médicaments, ils m'ont mis... ma psychiatre de... Comment ça s'appelle d'Edouard Toulouse, elle m'a clairement expliqué que les médicaments, ça ralentissait ma vitesse de réflexion, en fait. Donc... Petit coup de doigt dans les chattes là comme ça, là ça fait pas du bien. Ah, Jury, elle s'est pacifiée, elle travaillait pour Spider, tu vois, mais elle en avait marre d'affronter Shadolo. On va affronter Rachid, on est obligé d'affronter Rachid. Rachid et moi, on est connectés. Ouais, donc du coup, en fait, le temps entre. Ça fait 2 jours. Que je baisse un peu le son parce qu'il me fait mal au crâne. Ça fait 2 jours que je fais du pendule. Du coup, je suis surpris de voir que ça marche, en fait. J'étais très sceptique au début concernant tout ce qui était mystique des humains. En fait, j'étais convaincu qu'on n'avait rien compris, qu'on connaissait que dalle du monde mystique, que c'était de l'arnaque. Et du coup, elle m'a fait une séance de pendule, Nina. Et j'ai parlé avec l'esprit.
En fait, c'est simple, hein, l'esprit parle. En fait, on parle pas. C'est pas vraiment l'esprit qui parle, en fait. C'est nous qui parlons. Et l'esprit, en fait, c'est l'esprit qui parle à travers nous. C'est-à-dire qu'en fait, dépendant qui va être l'hôte et le réceptacle, les réponses, elles peuvent être différentes. Et même des fois, elles peuvent être astrèves, tu vois, parce que l'esprit, il a envie de nous dire plein de trucs, mais il peut répondre que par oui, non, et je sais pas. Alors du coup, moi, j'ai imaginé un combo, en fait, parce que les cartes, elles ont révélé des vérités me concernant ma situation présente et potentiellement ma situation future. Et j'ai écouté le conseil des cartes dans ma journée d'aujourd'hui. Je me suis ouvert et j'ai été sincère avec mon entourage. Et les choses se sont bien passées. Je veux dire, je vais revoir Diane. Je vais me concentrer sur ma thérapie. En fait, je dirais que du plus. Et en fait, le truc qui m'a vraiment choqué, c'est quand, en gros, moi, j'avais envie de. Quand elle m'a fait sa séance, tu vois, j'avais envie de plus. Je veux dire, moi, je suis complètement dans ça fait des années. Ça fait 5 ans, que 3, 2 ans, que je plonge dans le monde des voix. Et du coup, je me suis essayé au pendule. Et je peux vous assurer, les gars, ça m'a pas fait serrer, genre en mode oh, what the fuck, parce que je veux dire, avec la psychose que j'ai fait en 2019 et tous les trucs bizarres qui me sont arrivés, je veux dire, le pendule, c'est juste un élément de plus qui prouve que tout ça, il y a du mystique. Je dis pas que mon histoire est réelle, mais il y a du mystique. Mais ce coup, il devrait compter comme un middle. Le moyen, le quart de cercle moyen, il devrait compter comme un middle. Ça frappe comme un middle. Et du coup, je peux vous assurer que des fois, le pendule, il se balance. Mais des trucs de fou. Oh, ah, j'ai hâte de vous montrer ça. Le problème qu'il y a, c'est que le pendule, je m'en suis servi de 2 jours d'affilée, en fait. Pendant 2 jours, le gars, l'esprit, je l'ai overstimulé, et donc du coup, à la fin, le pendule, il se balançait plus, il se balançait un tout petit peu des côtés que j'ai codifiés. Parce qu'en gros, j'ai codifié, en fait, c'est comme ça que ça marche, en fait. Genre, le pendule, tu lui expliques que pour me dire oui, tu fais ça, pour me dire non, tu fais ça, et pour me dire je sais pas, tu fais ça. Moi, j'ai enlevé les je sais pas. J'ai à la place du je sais pas, putain, il m'a sorti le Shoryuken Dan, c'est vrai que les Dan ils sont chauds. Et du coup, moi en fait, je vais combiner le pendule avec les cartes de tarot et je vais m'initier à ça en fait, à la lecture des cartes et au pendule. On a repéré un magasin sur Montpellier qui se trouve en plein centre-ville, l'Œil de Gaïa, qui est comme par hasard a le même nom que mon livre. Et moi, je crois en tout ce qui est signe en fait, hein. Depuis que je suis petit, hein, je veux dire, même quand j'ai fait ma première psychose, le premier livre qu'il y avait sur mon étagère, c'était Alexandre, c'est la cata. Et Alexandre, c'est mon meilleur ami, quoi. Et quand j'ai commencé à péter un câble, je me suis tourné vers tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est que, en fait, les gens, ils savent plus trop comment me parler. Ils savent plus trop comment me parler. C'est genre, ils voient bien que je suis un peu brisé, que je suis plus comme avant. Et que du coup, ça va être compliqué pour moi de me re-sociabiliser. Je veux dire, ça fait 2 ans que je connais que les hôpitaux psychiatriques. Ça fait bientôt 1 an que j'ai repris ma chaîne YouTube. Vous avez répondu présent, les abonnés. Il y en a, ils se sont désabonnés, mais la plupart d'entre vous avez répondu présent. Vous avez su me booster grâce à vos messages. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, je suis plus dans le mood de faire des vidéos
Parce que, genre, je cherche autre chose et je sais pas exactement ce que je cherche en fait. Je sais pas ce que je cherche. Ça va être le titre de cette vidéo. Je sais pas ce que je cherche. Et du coup, en fait, je cherche la zone, je cherche l'adrénaline, je cherche la stimulation. J'ai envie de. Oh, Honda, il est fort aussi, faut pas l'oublier. Ah, il m'a tabassé. Faudrait que je paramètre les langues. Au bout d'un moment, ils parlent tous en anglais. Mais vous savez, je préfère la voix anglaise de Jury à la voix japonaise. Je me suis habitué en fait. Ok, on l'a eu. Street Fighter, j'aimais y jouer parce que c'est un jeu auquel je peux aussi réfléchir à côté. Je suis pas concentré que sur le gameplay, à part quand le combat il est compliqué. Et là, Honda, il est en train de me tabasser. Ok, on l'a eu. Bon, c'est en mode normal, hein. Ils ont pas trop de défense contre un vrai joueur, je me fais éclater. C'est pour ça que je joue en offline. De toute façon, je joue en offline autant parce que j'ai pas envie de tryhard que parce que j'ai pas envie de, comment dire, de gaspiller mon forfait internet. Déjà, j'ai dû prendre un abonnement en plus. J'ai dû prendre des gigas en plus parce que j'étais arrivé à la fin de mes gigas. Normalement, le mois prochain, je change de forfait. J'ai 200 gigas d'internet, donc je devrais pouvoir faire des vidéos toute la journée. On va plutôt faire celui-là. Maintenant qu'il est loin. Ah merde, il va me le renvoyer. Battu par des tonneaux. Pas grave, Jury. C'est très bien que je suis amoureux de toi. Je dis que c'est Jen que j'aime, mais en réalité, c'est toi que j'aime, Jury. Ma petite coréenne sadique. Avec ton petit rouge à lèvres noir, comme ça, ton style gothique. Tu me fais kiffer. Je te préfère aux lèvres de Camille. Et donc du coup ouais je me suis essayé au pendule. Et en fait j'ai vraiment été surpris parce que ça marche. Sans aucun mouvement de ma part, le pendule bouge. Et des fois même, un, il bouge quand je pose une question. Deux, il s'arrête quand je lui dis de s'arrêter. Et trois, les cartes, parfois, elles sont, comment dire. Et du coup, on va vous faire une petite séance de mystique. C'est prévu, on va y réfléchir bien comme il faut. Faut peut-être qu'on soit trois, peut-être quelqu'un qui nous filme. Ou sinon, on fait ça, mais parce qu'en gros, il faudrait que vous puissiez voir le pendule bouger et les cartes. Donc, je sais pas, c'est à réfléchir. En tout cas, l'idée, elle est là.
En tout cas, voilà, l'envie, elle est là. Moi, j'ai envie de faire du mystique. Mais j'ai aussi envie de en fait, j'ai envie de m'investir dans la clinique. Parce que je suis pas venu ici pour faire la même chose que je faisais à Édouard Toulouse. J'ai Édouard Toulouse aussi, je participais quand ça allait mal, j'allais voir les infirmiers. J'ai été un peu, j'étais le pire des meilleurs patients. J'ai fait plein de conneries, mais j'ai aussi joué le jeu. Et donc du coup, j'avoue que ça va, qu'être dans une clinique et pas profiter de la clinique, tu vois, être là et passer mes journées derrière l'ordinateur à jouer, c'est ce que je veux faire quand je serai dans mon appart, hein, faire des vidéos toute la journée, des lives toute la journée. C'est pour ça, venez sur le Twitch, les gars, venez déjà vous abonner. Ça m'aidera déjà, moi, pour la monétisation de Twitch. Elle est plus simple à voir que la monétisation YouTube. Venez. Même si je fais pas de live encore, il va y avoir des lives aussi qui sont prévus sur cette chaîne. Je pense que je ferai un live une fois par mois. Où ce sera un live avec FAQ, où vous pourrez venir me poser toutes les questions que vous voulez. Genre, le dernier jour du mois, le dernier jour avant que mon forfait paye, c'est-à-dire le 17. Peut-être faire un live dans lequel je réponds aux questions. Ça me permet de me connecter à vous. Ça me permet d'avoir des réponses. Des réponses. Ça me permet de répondre à vos questions. Non. Je suis vraiment dans une bonne période. En réalité, ça, c'est la bipolarité, hein. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va pas bien. Et voilà. Genre, là, en plus, y a un patient qui m'a tapé une action. Mais c'est pas grave. Genre, je vais pas vous en parler. Je vais passer à autre chose. Genre, je suis pas obligé de devenir pote avec tout le monde. S'il m'aime pas, il m'aime pas. C'est tout, c'est comme ça. C'est juste la manière dont il m'en a fait part qui m'a un peu perturbé et stressé. Mais quand je dis, ça m'a pas stressé, ça m'a rendu nerveux. Ça m'a pas rendu nerveux, ça m'a énervé. Et moi, le premier cas, c'est que si j'ai une émotion trop forte de colère, je peux littéralement perdre le contrôle de mon corps et faire des conneries. Et en plus de ça, si moi je suis en colère, que mes voix elles sont en colère, je remplis toutes les conditions pour blackouter et laisser une voix prendre le dessus sur moi. Et ça c'est dangereux, ça, parce que j'ai un trouble d'identité multiple, mais somatiquement parlant, on peut pas dire que j'ai un trouble d'identité multiple parce que je reste là. Je reste là, donc j'ai jamais joué contre Poison maintenant que j'y pense. Son fou, il est vraiment relou. Et donc du coup voilà, genre je veux dire, en fait je suis dans, comme je disais déjà dans les vidéos précédentes, je suis dans une phase où la kiffance dépend que de moi, en fait. C'est juste que je suis trop facilement déboudable. Un coup c'est le docteur, un coup c'est un autre patient. Je veux dire, c'est à moi aussi de prendre suffisamment de recul et d'avoir un regard d'adulte sur ma situation et de me dire, ah bon, c'est bon, je suis dans une clinique, je suis pas obligé d'être pote avec tout le monde, je suis là pour moi, je suis pas là pour les autres. Genre, c'est à moi de. Quand je vois que la personne est. On n'a pas d'affinité, je veux dire, je suis pas allé, on est une centaine. Je veux dire, je vais pas devenir pote avec 100 personnes sous prétexte que c'est super cool de reparler à des gens qui sont stables et qui sont connectés à la réalité. Je veux dire, et en plus de ça, je me suis découvert une passion parce que en fait, ma vision de la vie, elle a changé depuis ma psychose. Je suis complètement convaincu que les extraterrestres et les démons, ils existent. Et que je leur ai parlé et qu'ils attendent de grandes choses de ma part. J'adore ce combo. Ça donne envie de jouer Jay un peu. Il devrait passer le label et... Ça peut aller vite avec Jeff, faut que je fasse gaffe. Ah, j'ai voulu faire le V-trigger moi aussi.
Moi, je l'ai activé pour rien, mais en fait, quand tu actives le truc de Jury, tu peux faire des combos un peu avec tout. Mais c'est juste que ça n'a pas trop de sens parce que ça s'active à la moitié du combat. Genre, s'il était chargeable au prochain round, ça aurait du sens. Affronter Balrog. Je sais pas si je vous ai déjà fait le mode arcade avec Jury. Je crois que oui. Mais j'avais envie de jouer Jury. C'est mon personnage préféré, c'est celui que je préfère jouer. J'adore sa portée avec les pieds qu'elle a. J'adore son petit point. J'adore ses combos. J'adore ses spéciales. J'adore sa super. Et donc du coup, on va faire une petite séance de lecture de cartes avec un pendule. On va poser des. En fait, l'idée que j'ai de la vidéo, j'ai appelé le pendule, le démon qui est à l'intérieur, je l'ai appelé Verdé. Parce qu'il faut toujours leur donner un nom. Il faut toujours leur donner un nom. Qui leur plaise. Il faut faire en sorte de leur trouver un nom stylé. Mais je suis presque sûr que ça passait. Et donc du coup voilà, là j'ai envie de profiter un peu, de me reconnecter à la clinique, de mettre de côté un peu ce côté agacé. Je veux dire, c'est moi, j'ai eu trop d'attentes sur la clinique, j'ai idéalisé trop l'endroit. Je veux dire, ça reste une clinique, c'est pas le paradis non plus. Tiens, Ed, ça a du sens d'arpenter Ed. Après le maître, l'élève. Être bien joué, ça va être trop fort en vrai. C'est un jeu reposant, Street Fighter. Je jouerai pas à Street Fighter 6 pour le moment. Je n'aime pas ces jeux qui te font, comment dire, qui te font apprendre. Ces licences qui te font tout apprendre d'un jeu. Et ils sortent un nouveau jeu. Et le jeu, au lieu d'être la continuité du gameplay du jeu que tu as appris, c'est-à-dire c'est le même jeu mais avec des mécaniques en plus, c'est un nouveau jeu avec de nouvelles choses à apprendre et de nouvelles choses à apprendre. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris de l'ancien pratique. Tu dois l'oublier pour en apprendre de nouvelles et je déteste ça. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que ça n'a pas de sens.
Et merde. J'ai stressé à la fin. Faut que j'arrête de sauter, il me bat dans les airs. Il me bat tout court. Putain, aide avec aide, j'ai réussi pourtant. Oh non, moi qui voulais réussir sans continue. C'est la preuve que je maîtrise pas encore le mode normal. J'ai raison de ne pas encore jouer en ligne en réalité. Il me faut plus d'entraînement. Après, j'ai pas pris les combos, les data frames, toutes ces conneries. Genre, je joue comme ça pour me détendre, ça me fait du bien, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, je change de personnage quand je fais un continue. Moi, je suis avec Jury en uniforme scolaire, c'était très bien. Téléphone charge là-bas. Mais à partir de demain, je vais recommencer à travailler. Là, j'ai... Comment dire? C'est juste que j'ai demandé beaucoup d'attaques. Beaucoup de... J'ai sollicité beaucoup de fois les autres. Parce que, genre, j'étais... En fait, ce que les gens ne se rendent vraiment pas compte, c'est que je sors de 2 ans d'enfer. J'ai rencontré des bonnes personnes en route, hein, franchement. Et même... Des personnes qu'on pourrait croire qui m'ont fait peur. Genre, parce qu'elles m'ont fait peur, hein. C'est tout ce qui se passe. Hein. Genre, je veux dire, j'ai eu peur des voix, j'ai eu peur des humains. Genre, je suis un peu agarophobe. Oh, à deux doigts. À deux doigts de l'avoir. Mais, moi, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est quand il y a eu des armes à feu, en fait. Des poings et des pieds, j'ai pas trop peur parce que. Genre, au pire, je tape un sprint. Tu vois ce que je veux dire? Je cours vite de nature, alors du coup, j'ai pas à m'inquiéter. Oh là là, deux fois deux doigts. Il est énervé, M. Bison. Il a pas aimé la dernière fois la correction qu'on lui a mis avec Ed. Après, je suis pas très fort avec Jury. Hein. Je le sais très bien. Hein. Je suis dans tous les sens. Je fais des coups de pied dans tous les sens. Mais en réalité, je suis pas très fort. Hein. Jury, je la prends pour le plaisir du jeu. Il y a des personnages aussi comme ça que j'aime bien jouer juste pour la déconnade un peu. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre le jeu au sérieux. J'ai plus envie de prendre le jeu vidéo au sérieux. Je l'ai fait avec Paladin, ça m'a fait du bien, c'était cool, c'était épanouissant. Mais je sais, c'est plus ce que je recherche dans le métier du jeu vidéo. Je recherche plus de la détente. Là, je veux dire, tous les jeux un peu que j'ai commencé, les let's play et tout, ils me stressent. Vous savez pas à quel point. J'ai peur de faire le niveau de Fire Emblem, j'ai peur de faire le niveau de Final Fantasy, j'ai peur de faire le niveau du Yu-Gi-Oh! GX. C'est des jeux qui me demandent trop de ressources. Ouais, mais tu connais les combos toi aussi, c'est pas du jeu.
Non, il me laisse aucune opportunité. Ok, on l'a eu. On l'a bien géré sur ce round. Non mais c'est le bordel en fond. C'est ça, Shadowlo? C'est des mecs qui font les cons? Je suis en train de regarder les mecs se battre derrière là sur le point, là, le mec à la capuche orange. Regardez comment ils se battent. Vous croyez que c'est des futurs personnages de Street Fighter ça? J'ai foiré les imputes, mais c'est pas grave, on l'a eu. Ok, on a combien de temps de vidéo que je regarde un peu alors qu'il est... Ah, c'est bientôt l'heure du foyer. Non, 30 minutes de vidéo, je pense qu'on est carré là. J'ai pas la peine d'insister trop non plus. Je suis pas obligé de vous faire des vidéos de 3 milliards d'années à chaque fois. Ouais, c'est aussi ce que je voulais vous dire, si vous aimez bien mes vidéos et que vous aimez bien les vidéos d'une heure. Non, je l'avais pas fait le truc de Jury. En jouant avec les poupées, Jury s'est convaincu d'une chose importante. Je ne deviendrai jamais la poupée de qui que ce soit. Street Fighter V, c'est un jeu qui avait un gros potentiel. Ils auraient pu faire comme World of Warcraft. Je comprends pourquoi ces licences de jeux comme FIFA, PES, Call of Duty, ils font pas juste comme World of Warcraft, genre un jeu que tu payes abonnement par mois avec des mises à jour constantes. Bref, c'était cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas réussi à le faire sans continue, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je veux faire, mais je vais continuer de le faire. Je vais continuer de kiffer la vie. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous.